Un double champion olympique, le champion d'Europe 2012, les deux finalistes du Mondial 2011. Un France-Danemark depuis quelques années, c'est de toute évidence un classique de très haute volée. Les Bleus sérieux dès l'entame et agressifs face au handball méthodique des Scandinaves. Super défense. Et Cédric Sorando avec Nicolas Karabatic. Elle est intéressante cette défense, c'est un peu nouveau pour les Français. Karabatic marque. On a d'autres intentions aujourd'hui Fred, ça va beaucoup mieux. Poussif face au Qatar, les experts font la course en tête, mais le principal rival des Bleus dans cette deuxième étape de la Golden League ne s'affole pas. La défense française, si solide jusqu'alors, s'effrite progressivement peu après le quart d'heure de jeu. 15 buts inscrits, mais 18 encaissés à la pause. Le premier bilan n'est pas très reluisant. Les Danois accroissent même l'écart en seconde période, 22-17, mais les arrêts de Vincent Gérard et la combativité des cadres font souffler un vent de folie sur Bercy. Allez, Cédric sur un dos. Il est magnifique! Porté par un Cédric Sorindo déchaîné, l'équipe de France inflige un cinglant 5-0 au Danemark et entrevoit l'égalisation. Narcisse, Abalo, Karabatic. Ouais, c'est super. Karabatic, 28-28. Les Bleus pensent avoir accroché le match nul lorsque ce diable de Mikkel Hansen sort de sa boîte à la toute dernière seconde. Attention Mikkel Hansen. Au bout du suspense, les Danois l'emportent donc 29-28. Claude Onesta et ses joueurs ont encore du travail d'ici le 13 janvier et le début de l'Euro.